Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que j'ai reçu une commande d'Amazon que j'ai fait jeudi ou vendredi et elle devait arriver que demain et je l'ai eu aujourd'hui. Donc pour moi c'est le Graal, ça va plutôt s'adresser aux colorieuses, je sais pas si on dit ce mot. Alors j'ai pas ouvert parce que je viens d'aller à la boîte aux lettres. Et c'est mon petit cadeau de l'été, on va dire. Voilà, je me suis pris une plus grosse boîte de Neocolor 2. Donc franchement, je suis ravie. Alors on va ouvrir ensemble la boîte, voir si on n'a pas de café, en espérant. Parce que franchement, c'est pas super costaud ça. Donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Alors on va ouvrir la boîte. Alors je vais essayer sans. Je voulais essayer de l'ouvrir sans rayer la boîte avec le cutter. Hop là. Donc une nouvelle disposition encore de l'ordinateur. Je l'ai mis sur une boîte, sur un petit meuble. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est plongeant comme ça. On dirait ce que vous en pensez. Voilà, hop, mon morceau. On ne risque pas de piquer tellement c'est bien emballé. Alors, surprise. Moi, j'avais déjà une boîte de 10 que j'avais en anniversaire l'année dernière. C'est vrai que c'était pas assez de coloris. La boîte est un petit peu écrasée là. On va voir. Alors, ça a bougé. Effectivement, parce que sur le couvercle, il y a plein de crayons. Donc, on a un petit notice. Pas alors. Donc ça, c'est pour la boîte de 50. Je n'aime pas qu'ils viennent 50. Ah oui, 50, 84. Je crois que 84. C'est le maximum. Ouais. Voilà. Et je vous les présente. Voilà la boîte de 40. Ils n'ont pas l'air cassés. Je vérifie. Ils ne sont pas super bien taillés. Et par contre, ça a bougé. Ça, c'est pas trop gênant. Du moment qu'ils ne sont pas cassés. Alors, on a deux jaunes. Attends, hein. Un jaune d'or, ils appellent ça. Donc, il y a des numéros dessus. Apparemment, je ne les connais pas encore trop. Il y a le 7500-01. Donc il y a deux jaunes. Ça, c'est deux oranges. Il y a deux rouges.
trois, quatre mots violets, plus clair ou foncé. Je suis là, celui-là, attendez, j'ai pas un. Attendez, je cherche un petit bout de papier. J'ai pas prévu ça. On va prendre une chute de papier. Je vais vérifier la couleur. D'accord. Parce qu'en fait, vous voyez là, la mine était plus claire. Par contre, il a ramassé un citouille. Pour corriger, ça j'aime pas. Donc voilà la couleur. Donc on a 4 violets, on a 2 bleus foncés, un bleu cobalt, ultramarine, bleu outre-mer. Joli. On va essayer le bleu cobalt. Ouais, joli. Là, je vais essayer d'apprendre à m'en servir avec des fonds. Parce que moi, j'ai horreur de faire des fonds dans mon lit de coloriage. Moi, il faut que ça aille vite. Il se trouve qu'avec ça, c'est nickel. Maintenant, j'ai essayé m'entraîner un peu avec parce que on ne maîtrise pas comme ça. J'avoue que c'est une catastrophe. Donc j'espère que je vais réussir à les maîtriser. Alors ensuite on a un verre de malachite. On a 4 verres. Attendez, celui-là, je sais pas comment ils sont rangés. Je sais pas si c'est par numéro, mais il y a des verres là, il y a des verres là, il y a... j'essaye de frapper celui-là, un vert pomme, un vert jaune. Ah ouais, il est superbe ça. Franchement, ils ont des belles couleurs. Voilà, je vais voir s'ils étaient dans l'ordre ou une mieux. 75 00 220, 230, d'accord, oui, ils sont rangés par numéro, c'est pour ça. Je sais pas s'il faut les laisser comme ça ou les mettre par couleur parce que c'est perturbant, on n'a pas toutes les... en rose par contre. Ça c'est quoi? Saumon, jaune paille, jaune citron. Ouais, on a 3 jaunes alors. Ouais, c'est... Pour ceux qui ont une grande boîte comme ça, il faut me dire comment vous les rangez. Parce que là, j'avoue que c'est perturbant. On a des verts là, des bleus là, des marrons. C'est bizarre. Bon, je dis comme ils ont été secoués un peu. Il y en a qui sont pas très bons. Ils sont pas cassés, c'est déjà ça. On a un jaune citron. Jaune paille. On va voir ce que c'est. Ouais, c'est limite un orange, jaune paille. Ça fait un orange. Et j'ai envie d'essayer le 0,51. C'est tout 75 euros. Ouais.
Alors, ils appellent ça un saumon. Ça fait aussi très légèrement un rose orange. Hein. Ils ont des belles couleurs en tout. J'adore là. On a des couleurs pastel. Donc il y a aussi un noir. Oui, ça c'est noir. En gris, il y en a deux. Un blanc. Ça c'est quoi? Olive. Enfin, celle faire tourner. C'est un vert foncé, oui. Il y a des verts là et des verts là. Je sais pas s'il faut les ranger par numéro comme ils sont là, par couleur. Qu'il y en a jaune, orange, c'est un peu comme là, il y a le jaune citron, du reste avec les jaunes. Ensuite, on a un bleu de Prusse. Celui-là, terre d'ombre. C'est des marrons. Ici, nous avons... Hop, ça a tourné. Ocre. Ce qui est bizarre, c'est que certains ont la... Je dirais la mine. Le gris, on va dire. Et d'autres ont la mine directe de couleur. Là, c'est marron. Et vous voyez celui-là. La mine est blanche, mais c'est écrit bleu. Ouais, celui-là. Ah, d'accord. Qu'on fasse sur le gris ou direct. Comme ça, c'est bleu. Bon, il faut que j'arrive à les maîtriser. Ils n'ont pas été très bien taillés à la base. Des marrons. Un olive clair. Moi, j'adore les pastels. Là, on a un vert tilleul. Oh, il est magnifique. Le vert tilleul et le jaune vert. Hein, c'est très léger la différence. Ouais. Ils sont super. Donc celui-là, c'est le 231. Celui-là, c'est le vert tilleul. Et là, c'est le vert. Jaune-vert. Il n'y a pas grande différence. Franchement, je suis ravie de les avoir eus. Ensuite, on a un bleu turquoise. Un bleu clair. Un bleu lavande, ça plutôt violet ça, non? Ah non, d'accord, c'est un bleu violet. Super pose. Franchement, ils ont des couleurs peps. Ça c'est cool. Ensuite, on a pervenche, mauve. Et un rose, vous voyez le rose est là, il n'y a pas beaucoup de rose. Pourquoi violet, il n'y a qu'un rose? Ça c'est toi les couleurs pastel, il n'y a qu'un rose, ça m'étonne. J'ai plusieurs marrons, bleus et tout, et les roses, il n'y en a qu'un.
sûrement. Ouais, ça c'est bleu. Là, ouais, il n'y a qu'un. Puis là, il n'y a qu'un rose. C'est rouge. Là, je suis déçu. Ils ont mis que un rose. Maintenant, il passe trop. Sinon, il n'y a pas de rose. Ouais, c'est rose, rose. C'est rose et mauve. Ouais. On a un mauve et un rose. Franchement, elles sont belles. Mais je suis déçue, il n'y a qu'un rose. C'est surprenant. Je ne comprends pas leur truc. Faudrait que je regarde la boîte de 30, comment elle est. On va regarder par rapport à la boîte de 50. Oui, c'est 50. Il n'y a pas les couleurs, là, il y a juste le numéro. Il y a le 081. Et moi, c'est le... Ouais, c'est sûr. Ben, dans la boîte de 50, il n'y a qu'un rose. Il y a juste des métalliques en plus. Moi, j'aime moins. Ouais, rose. Il n'y en a qu'un. C'est étonnant. Violet. Ah là, je suis déçue. Ah. Ouais, c'est bizarre. En plus, ils ont mis dans les couleurs pastel rose. Mais là, il n'y a pas trop du tout. Il y a le saumon. Mais attends. Mon saumon, il fait pas vraiment rose. Moi, il fait plus un orange. Ouais, ils sont pas très propres. Hein. Bah, déjà, quand j'ai pris la boîte, j'ai sauté bouger dedans. J'ai dit, c'est pas bon. Donc, voilà le saumon. Ça peut faire couleur peau. Hein. Mais franchement, ils ont dit une poly 4 violets et que 1 rose. Enfin, 4 violets. Il y a 6 violets. Ouais. C'est étonnant. Regardez la boîte 2, 84. Alors, rose. J'ai l'impression qu'il y a toutes les boîtes qui sont pareilles. Ah non, c'est pas. Ah, zéro. Il y a marqué numéro, il n'y a pas les couleurs. Donc, j'ai pas 071. Cinquante et un. Non. 230. Non. J'ai un son d'un bois de 84, il y a un peu plus de rose quand même. J'en vois 2, 3. 3. S'il faut la grosse boîte pour avoir des roses, c'est pas mal pris. Hein. Déjà, moi, j'ai regardé avant de le commander, j'ai regardé sur Etsy et sur Craftelier. J'étais plus cher. Sur Amazon, déjà, cela, la boîte de 40, j'ai payé 64. Et il y avait d'autres vendeurs
qui vendait la même boîte à 85. Je lui ai dit, ah, non, je ne mettrai pas de prix en des crayons. Et par contre, la boîte de 30, des fois, à 75, alors que la boîte de 40 est à 64. Donc, c'est surprenant. Bon, après, on a l'habitude avec Amazon. En tout cas, je suis quand même ravie de les avoir reçus. Déçue parce qu'il n'y a pas de rouge, il n'y en a qu'un. Et pour avoir plus de rouge, il faudrait la boîte de 84. Il faudrait gagner le taux alors. Hein. En tout cas, moi, la boîte est pas propre. Les crayons, ils ont un peu trop bougé. Donc. Les mines sont pas super taillées à la base. Mais sinon, ils sont nickel. À part qu'il manque des roses. En tout cas, je suis contente de les avoir reçus. C'est mon petit cadeau de l'été, on va dire. Et en tout cas, je suis quand même ravie de les avoir reçus. Et un jour, j'aurai la boîte, la plus grande, quand je regagne le temps. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était pour vous présenter ma petite folie, on va dire, de l'été. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et je passe de même occasion, avant que j'oublie. Je voulais remercier les nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis ravie que ma chaîne vous plaît. J'essaie de varier. Ça ne plaît pas toujours, ce qui est normal. En tout cas, bah, n'hésitez pas à partager, à liker ces vidéos. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, il y aura un haul, notes et action demain. On vous souhaite une bonne journée. Bye bye.